Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc c'est aussi le boss. Je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo sur un nouveau jeu que je me suis payé en promotion. Il est au prix de 30€ normalement. Bon là il est retourné à 30 vu que la promo est terminée. C'était une promo jusqu'au 1er mai je crois. Et donc je l'ai payé, si je me souviens bien, 15€. Ouais, 15 au lieu de 30, j'ai lu à moitié prix, donc c'est une affaire. Ça se nomme Silence, ça a été développé et édité par Daedalic Entertainment et c'est sorti le 15 novembre 2016, donc récent mais pas trop, récent quand même je dirais. Noté 75 sur 100 par Metacritic, donc ça passe encore et il a eu des awards de la meilleure histoire et du meilleur de la meilleure bande son je crois. Ouais, parce que là vous entendez déjà la musique du menu. Et elle est déjà assez épique, alors qu'on n'a même pas commencé le jeu. Donc tout le monde a dit qu'il était très court ce jeu, donc on va essayer de l'apprécier. Et donc là j'ai dû mettre le jeu en français, parce que quand vous l'achetez il est en anglais. Ah là j'ai dû mettre ma résolution et tout. Et voilà, on va se laisser transporter par l'histoire. Et désolé si vous entendez des bruits de camions et tout ça, ma fenêtre est ouverte. Parce qu'il fait un peu chaud. Ah, j'ai oublié de préciser. Il parle anglais, mais se susciterait, donc ça passe. Vous pouvez choisir la taille des sous-titres. C'est la guerre. Ah, d'accord. Ça commence bien. C'est vrai que la musique est terrible. Début du jeu, bon, j'essaye déjà de vous faire pleurer. Hein. Ça commence plutôt pas mal. Ils sont enfermés dans un bunker, ils sont tout seuls. Bon, miskin pour eux. Il a pas eu le temps d'ouvrir la porte que... Bah, tout est explosé. En gros, je crois qu'il n'y a que eux qui sont survécu. Désolé si vous ne me voyez pas assez, mais... Il fait très... obscur. Ah, dingue. Cliquez sur une des deux options de dialogue pour calmer votre sœur. Attendez. Il y a marqué quoi, là? Je vais cacher ma cam, vite fait.
Ah, ils vous disent juste comment faire. D'accord, c'était juste pour montrer comment faire en fait. Alors, lui dire que vous savez gérer votre claustrophobie. Ou lui dire que votre dernière crise d'angoisse date d'il y a plusieurs mois. Bah, faut la calmer, donc on va dire ça. Miss Clock dit que c'est dangereux de rester ici. Elle n'y connaît rien de. Elle n'y connaît rien de toute façon. Elle a raison. Elle a raison. Ouais. Ah mais t'es violent mec. Ah ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Oh la violence! Il faut te calmer mon gars! Donc désolé, j'ai muté mon micro parce qu'il y avait un espèce de camion derrière. Enfin dehors, il faisait un peu trop de bruit. Donc voilà, on peut reprendre. Cliquez sur le sol pour déplacer votre perso jusqu'à ce point. Ah, c'est comme... Ah, ça me fait rappeler Walking Dead. Bon, on a l'habitude de jouer à des jeux comme ça. J'ai envie de dire. Passez votre pointeur sur l'un des objets pour interagir avec. Pas être con. Bon, il l'a fait pleurer du coup, c'est... Il n'y a pas été de main morte. L'abat-jour. En tout cas, les graphismes sont bluffants. Ça n'a pas marché comme il voulait, apparemment. J'espère que vous voyez les sous-titres parce que je les ai mis en assez gros. Exprès pour que vous les voyez. Est-ce qu'on pouvait les mettre plus petits, en fait? Ah, la télé, bah, ça va la calmer, la télé. Si vous avez un problème avec votre gosse, c'est ce qu'il faut toujours faire. L'affrontement du jour, on fait un très grand nombre de blessés. Il est clair que les bombardements aériens ne sont pas prêts de s'arrêter. Ah, mauvaise nouvelle. Et elle veut pas regarder. En même temps, il peut pas y avoir des dessins animés, là. Il allume la télé, il y a que des mauvaises nouvelles. C'est pas avec ça qu'on va la calmer, quoi. Oui, mais que puis-je faire? Ah, j'ai pas vu ça. On peut faire une action spéciale. Ça me rappelle quelque chose qui m'est toujours réuni de bonne humeur. Hein? Eh, elle prend les billes. Tête de bourriquet. Hey, he's got a bobblehead. I hate to make a fool of myself. Do it for Rini. Est-ce qu'il faut pas faire hein, pour lui redonner le moral? Eh, il a dit qu'est-ce qu'il fallait d'autre à part ça? Hey Rini. Hello Sadwick. How's Spot? Well, ask him yourself when he shows up. Ah d'accord. Facile de trouver quelqu'un comme Spot. Ah oui, il lui faut une chenille. On va la trouver où? Ah ouais, pas con. Tada!
is all about audience requests. I want a story about silence. Really? Une histoire sur silence. Mais c'est quoi? Je ne préférerais pas une chanson en prout. Elle la respecte pas. Ou l'alphabet roté. C'est un bâtard. Ah ouais, on va remettre ça. No. Please tell me the story of Spartan Sadwick. Le bide. All right. So this is the story of Sadwick. And his world silence. Sure. And his world. Oh. Sorry. Silence. Sadwick was a clown who never laughed. He also didn't want people to laugh at him. So he left his grandpa, his brother, and the circus to see the world. But not alone. Because with him was his best friend. Spot. Spot also helped Sadwick. And he did it by changing into all kinds of things. Eventually, they made their way to the King of Silence. You need a crown and something for the prophecy. One thing at a time. First, my crown. Ok, donc il nous faut une couronne et je sais plus ce qu'elle a dit. Hey presto, the king of silence. He was a good king. But he got very sick. And along with him, the land began to suffer. Fields withered. Walls and cities crumbled. Everything decayed and fell apart. If only the king would recover. Because if he did, so would silence. Sadwick wanted to bring him an elixir of life, just as an old oracle had foreseen. John is not old. Right. He's pretty timeless, actually. And mysterious. Where's her crystal ball? Sa boule de cristal. Elle est là. Why, hello there, crystal ball. C'est tellement logique. Shauna foretold that Sadwick was destined to save the king, but also that he would destroy silence. Of course he would never believe that. He wanted to bring an elixir of life to the king, right? Yes, but when he arrived at the castle, he saw that Shauna was right. Do you remember what awaited him in the throne room? Watt turns everything around without actually moving. There was no king in the throne room, only a mirror. Bon, en fait, moi, je suis juste là pour cliquer, et lui, il peut continuer son histoire comme ça. Ah, on a été coupé. Bon, j'espère que vous avez un peu compris leur histoire avec Silence, là. Si vous n'avez pas le temps de voir les sous-titres, au pire, vous faites, faites des pauses. Ah, il est bloqué. Hein? Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez-la lentement. Ah ouais, quand même. On va pas se laisser maltraiter. Ah, je croyais qu'elle était en dessous les pierres. En appuyant sur la molette de la souris, on peut afficher les zones interactives. Ah d'accord, ça nous dit quoi faire en fait, si vous êtes perdu. Non, elle est pas en dessous ça. Hein? Ah, ça va, c'est que la chaussette. What? Qui a fait ça? Oh, il y a la boule. Hein? Hein? Spot? Are you in there?
Thank God you're alive! Where are you? Stupid piece of junk. Espèce de cochonnerie. Non, tu vas pas donner un coup de pied dedans. Bon, vas-y, donne un kick, donne un kick. Fais-toi plaisir. Y'a rien qui marche. Ah, ça se répète là. Non. Imaginez que sa sœur était dedans. Elle était dans la télé et ça se trouve, il vient de buter. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a rien à faire. D'où vient cette étrange lumière? Ah ouais, c'est un rêve. Eh, mais elle est là-bas. Regardez, petite silhouette. Oh, il y a plein de trucs à faire, là. Oula, mauvaise idée. Oh, fais gaffe. Je la sens pas. Ouais, bah surmonte ton vertige. Pas l'idée du siècle. Oh non. Non, 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 ça c'est dégueulasse. Oh, c'est bon, j'ai tenu. Heureusement que j'ai une bonne souris. Attrape lui la main. Voilà. Quoi? Qui es-tu? Rini, what are you doing? No, stay right there. Rini! Mais quel relou celle-là. Oh, tu l'as pété. Oh. C'est ce qu'il faut pas faire pour elle. Là. Et maintenant tu passes crème. Alors, on est parti l'argent. Mais elle fait n'importe quoi. Déjà, elle est dans le rêve de son frère. Et en plus, elle fout le dawa. Oui, c'est un rêve. Il est pas là pour te... Il te veut pas du bien. Ah. Ah, et ça t'en veux? Ah, je vais pas ignorer le conseil, non. Seekers are serious business. Yeah, I figured as much. What are they seeking anyhow?
More importantly, what are you looking for? My sister. She's about this size and... Tu cherches une go, ma sœur. She took a stroll through the world worm's maw. Its jaws were still twitching. What? You mean the worm was still alive? I don't know how you managed to get out of a world worm alive or even kill it. But I suppose chance smiled upon you. I hope she keeps smiling, or else you won't get far here. Your sister will be safe, by the way. One of my people is taking her to our secret camp. Where is she gone? Can't tell you. That's implied by stars. What do you mean by one of your people? Hello? Who are you? D'accord, donc il a été dans son rêve, dans le monde Silence, que au fait il voyait en rêve. Et en fait tout prend vie au fait. Par contre, il a pas parlé d'elle dans son rêve. How did she get up there? Comment a-t-elle grimpé là-haut? Elle est plus agile que toi, c'est tout. Le monde de Silence est magnifique. Magnifique décor. Ah, on peut retourner dans le verre. C'est cool. Si on peut retourner en arrière, c'est qu'il faut aller chercher un truc. Ah. Ça pourrait m'aider à grimper. Si j'arrive à la pousser jusque là-bas. Ah, maintenant un autre problème. Il veut plus grimper, il veut. Hein? What? Il est bien chaud, voilà ce qu'il te faut. Ah, faut le dégager. Faut dégager la bestiole. Je pense qu'il faut un. Oh! Oh, et merde. Chope-le. C'est le moment ou jamais. Allez hop, qui va à la chasse perd sa place. Hein. Spot, it's you, it's really you. Come here. Oh crap. Bad mom. Mauvaise mère. Déjà à la base c'était même pas sa mère, miskin. Placer le pointeur sur Spot puis déplacer souris vers le bas. Ah d'accord. Il peut se mettre en... Il peut se mettre en crêpe Wahoo ou alors en obèse. C'est bien ça. Ah et maintenant faut le gonfler. D'accord, j'ai compris. En plein dedans. Tu peux te remettre bien parce que tu me stresses. Voilà. Ah bah on peut pas rentrer dedans. Allez, on se casse, viens. Elle est où la bestiole là? Elle est partie? Ça va. Elle bouffera pas la chenille alors. Comment va-t-on te faire grimper là-haut? Wait here, okay? I'll be right back. Eh, tu m'attends, genre tu te démerdes, allez. Bon, il a laissé la chenille derrière lui. Sans respect. Hey, why did you take off that fast? What took you so long? Where's Rini? We'll meet her after I blow up this bridge. After you what? Do you have a death wish? Did you kill Rini? Nonsense. I'm Kyra, leader of the rebels, not a murderer. All right. And I won't leave before this bridge is destroyed. Am I clear? Crystal clear. Why are you telling me this anyway? Because
you'll help me do it. Damn, the lights are out. And what? What does that mean? The Seekers are on the way. Hold this for a second. Why? What is that? Just keep pressing it down. Tais-toi et appuie dessus, d'accord. Tu fais peur, madame. Donc, si elle est chef des rebelles, ça veut dire qu'il y a une espèce de régime mis en place dans le monde. Et qu'en fait, elle, comme c'est chef des rebelles, elle veut le renverser. Pourquoi devrais-je coopérer avec les rebelles? T'as plutôt intérêt, je pense. Continue d'appuyer. On va l'aider que ça bombe, les amis, et on va s'arrêter là. Parce que pour une première session, on a déjà fait assez. T'as un problème avec tes doigts? mais j'essaye. Ah oui, elle veut que je reste appuyé. J'avais pas compris. Tu vas la faire détonner. Non, je suis pacifiste. Ah, on a eu le succès pacifique. Oh, mince. Mais il reste un anneau, connasse. Oh, elle est dingue. De trouver un autre moyen de détruire cet anneau. Ouais, parce qu'elle, c'est la manière... Donc bah voilà, bah, elle va faire une bombe suicide. Mais nous, on va trouver une autre façon de le détruire, parce qu'elle est un peu starbée dans sa tête. Donc, bah, que dire sur ce jeu? Déjà, pour une première session, bah, je suis à fond dedans, je sais pas pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. En tout cas, moi, il me plaît très bien ce jeu, et il mérite sa note et ses awards. Pour l'instant, il me déçoit pas. Voilà. Surtout bluffé par la musique et les décors. Ouais. Donc, bah, sur ce, n'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu des familles ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc salut, j'en prends soin de vous.